à tous et bienvenue dans cette nouvelle quotidienne qui démarre donc une semaine spéciale, une semaine dédiée à la région du Pacifique. Au programme de cette émission, Jamie nous parlera rugby, ce sera dans sa chronique C'est Sport. Marie-Hélène, quant à elle, nous emmènera en Nouvelle-Zélande puisqu'elle nous parle aujourd'hui des bourses qui sont accordées aux jeunes étudiants qui souhaitent donc poursuivre leurs études en Nouvelle-Zélande. Et puis nous finirons avec Camille à Bourail puisqu'elle nous parlera du cimetière néo-zélandais. Mais avant ça, je rejoins notre invité du jour. Et je reçois aujourd'hui Monsieur Bruno Leroy, qui est biologiste à la CPS, qui est chargé donc du marquage des poissons pélagiques, notamment des thons. Bonjour Monsieur Leroy. Bonjour. Alors, pour resituer un petit peu, on va d'abord présenter justement la pêcherie thonnière. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Ben, faut savoir que la pêcherie thonnière dans notre région, c'est la plus importante du monde. Dans le Pacifique centre-ouest, donc qui est défini entre la Polynésie française et l'Indonésie, et entre grosso modo entre le Japon et puis la Nouvelle-Zélande, il y a donc à peu près 60% du thon mondial qui est capturé dans cette zone. Ça représente 2,5 millions tonnes de thon capturés chaque année. Une valeur de 6 milliards de dollars, 300 gros bateaux industriels, les seineurs, entre 3000 et 4000 palangriers, toute une flottille de petits bateaux plus ou moins artisanaux. Donc c'est très très important. La pêche la plus importante. Et c'est très très important pour beaucoup de petits pays du Pacifique qui tirent leurs revenus des access fees. Qui sont payés donc, à ces pays chaque fois qu'un bateau vient pêcher dans leurs eaux. Ça représente jusqu'à 40% de leur PIB pour certains petits pays. D'accord. Alors, vous êtes donc chargé du marquage des thons. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça marche et surtout à quoi ça sert de marquer les poissons ? Mais à quoi ça sert de marquer les poissons ? Dans notre cas, c'est un outil de gestion. C'est un peu comme un recensement, sauf que là, on ne recense pas tous les poissons, on en recense juste un certain pourcentage. Donc on marque un certain pourcentage de poissons dans la population et on observe comment les pêcheurs nous retournent ces marques. Et ça nous donne une idée une idée de la pression de pêche. D'accord, donc ça vous permet d'évaluer donc, la mortalité en fait thons. La mortalité par pêche des thons et la mortalité naturelle aussi ultérieurement. Mais surtout la pression de pêche. Si par exemple on marque 100 poissons et qu'on en retourne 10, on sait donc qu'il y a à peu près 10% de la population qui est pêchée. Quoi. D'accord. Oui. Alors qu'est-ce que c'est concrètement une campagne de marquage de thon ? Eh bien, on fait du marquage donc à grande échelle, hein, puisque la zone est immense. Donc on loue pour se faire les services de bateaux qu'on appelle des canneurs. Actuellement, les canneurs, c'était ce qui existait avant la pêche à la senne. C'est-à-dire que le thon est pêché à la canne à pêche. La canne, oui. Donc à la canne et à l'appât vivant, on dit en français, parce qu'on a besoin d'appâts, de petites sardines ou d'anchois, pour attirer les thons au bateau et permettre aux pêcheurs de les sortir de l'eau avec D'accord. juste une canne à pêche et un leurre. Donc, et là, bon, au lieu en action de pêche commerciale, ces bateaux donc, balancent les thons qu'ils capturent sur le pont. Mm-hmm. Là, on a des gens qui les attrapent en l'air et nous les posent sur ce qu'on appelle des tables à marquer. Et puis, ces tables sont graduées. Mm-hmm. Donc, on peut mesurer le poisson lorsqu'il arrive sur la table. On lui place cette marque qu'on appelle conventionnelle, hein, qui est juste une étiquette. En fait, avec un numéro et une adresse, l'adresse de la CPS, l'adresse web et le fait qu'il y a une récompense si on retourne la marque. Important. Voilà, la récompense. Bien sûr, très important. Donc, on place cette marque dans l'eau du poisson et on le relâche. Et on peut marquer comme ça, chaque table à marquer peut marquer 100 poissons en 10 minutes.
D'accord, donc c'est de l'ordre de quelques secondes le marquage en fait. Vous sortez, le poisson marquez, reste en moyenne moins de 10 secondes hors de l'eau. D'accord. Et alors vous parlez de récupérer donc les données. Comment est-ce que vous faites pour les récupérer? Bah, tout d'abord, ça demande un très très gros effort de publicité. Mmh. Hein. Faut savoir que maintenant les pêcheries thonnières sont globalisées, c'est mondial. Le thon qui est pêché dans le Pacifique peut être exporté partout dans le monde. Pour ce qui nous concerne, c'est surtout, on va dire, entre le Mexique et la Thaïlande, ce qui est déjà gigantesque. Oui. Donc on a des posters d'informations qui disent qu'est-ce que c'est qu'une marque et qu'est-ce qu'il faut faire quand on la retrouve. Quand on tombe dessus, On a des posters traduits en 15 langages. D'accord. Hein. Ensuite, bien sûr, on travaille en liaison avec tous les départements des pêches de tous les pays concernés. Et on organise aussi parfois pour relancer l'intérêt de retourner les marques des loteries. C'est-à-dire que les gens qui nous retournent une marque donc ont une récompense. Hein. En l'occurrence, pour une marque classique, c'est 10 $ ou un t-shirt ou une casquette suivant les endroits. Il y a des D'accord. endroits où ils ne veulent pas d'argent. Tous les pêcheurs de thon, parce que ce sont des campagnes qui ont commencé depuis 2006. Mm-hmm. On ne l'a pas dit, mais c'est depuis ouais. 2006 déjà. Ouais. Et donc, c'est un moyen d'informer les pêcheurs. Un pêcheur de thon, normalement, il est au courant que s'il trouve une marque sur un thon, voilà. il va sur votre site. Il peut aller sur le site web, il peut aussi aller dans les pays les plus importants. On a placé ce qu'on appelle des tag recovery officers, c'est des gens qui sont chargés de récupérer les marques dans les ports, les endroits où les thons sont débarqués, de récupérer les marques et de payer la récompense aux pêcheurs. D'accord. Parce que c'est très important de payer tout de suite oui. Sur le spot. La récompense au pêcheur, sinon l'intérêt. Sinon, le pêcheur, il ira pas plus loin. Il va prendre son ouais. poisson. Et puis, d'accord. Alors, il y a différentes marques qui existent. Donc, on a montré là les marques conventionnelles. Voilà. Il y a d'autres marques qui existent. Ouais. Qui... Donc, les marques conventionnelles, c'est juste une étiquette et ça va nous donner une idée sur la pression de pêche, comme je disais tout à l'heure. On d'accord. a juste, en fait, l'endroit où le poisson a été repêché, la date et le moyen de pêche, en règle générale. C'est ce genre d'information que celui qui a retrouvé la marque doit nous fournir D'accord. avec la marque. Ensuite, on a à des fins un petit peu plus scientifiques pour essayer d'avoir une idée du comportement du poisson dans la colonne d'eau. On a ce qu'on appelle des marques électroniques. D'accord. Donc là, dans une marque électronique, en fait, il y a une batterie, une mémoire et des capteurs. Il y a un capteur de pression qui va donner la profondeur, un capteur de température et à l'extérieur, parce que donc ça, c'est placé à l'intérieur du poisson et ça va rester... C'est ce qui dépasse à l'extérieur. C'est la tige, d'accord. Voilà. Hein. Là, il y a un capteur de température d'eau et puis un capteur de luminosité. D'accord. Et donc ça va nous donner une... C'est conçu pour rester dans le poisson plusieurs années. Hein. Ça peut enregistrer ces ensembles de données... toutes les minutes pendant 5 ans ah oui. et stocké dans la mémoire. D'accord. Donc on reçoit une quantité énorme d'informations et on a une idée du déplacement du thon dans la colonne d'eau, où il est dans la journée, où il est dans la nuit, etc. Et ouais. donc ensuite, une fois que vous... Il faut retrouver le poisson, bien sûr. Une fois voilà, que vous ouais. avez retrouvé le poisson, que vous récupérez les données, quel est le rôle de la CPS, enfin du programme en fait, de pêche hauturière de la CPS par rapport à ça? Ben, la CPS, c'est l'organe qui est chargé de donner un avis scientifique sur les stocks de thon qui sont exploités dans le Pacifique. Et sont chargés de donner cet avis scientifique tous les ans à une commission, la commission thonnière, la commission des pêches du Pacifique qui est basée en Micronésie. D'accord. Il y a une réunion scientifique tous les ans où tous les pays pêcheurs concernés assistent. Et donc, chaque fois, avec toutes les données qu'on reçoit, pas simplement les données du marquage, hein, mais la CPS reçoit toutes les données de pêche des bateaux, combien ils ont pêché et où, dans telle zone, plus les paramètres biologiques des espèces que l'on connaît, à quel âge une espèce se reproduit, sa croissance, etc., ses déplacements. On dit, cette espèce-là, cette année, on en a pêché tant de millions de tonnes,
On ne peut pas empêcher plus. Sonnez un petit peu la sonnette d'alarme si jamais il y a un problème. D'accord, au niveau de la pêche, la surpêche. Mmh. Donc, on ne l'a pas précisé aussi, donc vous marquez les thons, vous marquez trois espèces en particulier, qui sont donc les bonites, les thons jaunes. Et les thons obèses, qu'on appelle bachis ici. D'accord. La plus grosse proportion, ça va être les bonites. Ça va être les bonites qui représentent en fait plus de 70% des captures dans la pêche industrielle. Les thons jaunes, un petit peu, à peu près 20%. D'accord. Et le thon obèse, plus le thon blanc aussi, on l'oublie, les 10% restants. D'accord, donc le thon obèse ou thon bachis, qui est une espèce menacée. Une espèce actuellement classée en surpêche. Oui. Et donc avec des recommandations de diminuer l'effort de pêche de 30% actuellement. D'accord. Mmh. Et donc suite à vos recommandations, il y a une réponse, il y a un effort qui est fait de la part des pêcheurs? Oui, il y a des mesures qui sont mises en place. C'est pas toujours avec l'efficacité qu'on souhaiterait, évidemment. Mmh. Mais par exemple, maintenant, il y a une période d'interdiction de pêche sous DCP entre 3 et 4 mois par an. Alors DCP, qui veut dire dispositif de concentration de poissons. Il faut savoir qu'entre 30 et 50% des thons, maintenant, sont capturés sous ces DCP. Mmh. Les pêcheurs utilisant le comportement naturel des thons ils ont ce comportement qui s'agrège sous des objets flottants. D'accord. Donc en fait, les gros bateaux industriels, les gros seineurs, ils déploient à l'eau des flotteurs artificiels et avec une balise GPS pour pouvoir la retrouver. Chaque bateau a à sa disposition parfois plusieurs centaines de ces objets flottants dérivants. Et après, ils font le tour de ces objets flottants et ils ramassent donc les thons qui sont agrégés dessous. D'accord, donc ça leur permet d'aller droit au but, si on peut dire. C'est un moyen plus efficace de pêche que de rechercher un petit peu au hasard les bancs de thons. Ils économisent le gasoil. Exactement. D'accord. En contrepartie, malheureusement, ces objets flottants permettent la pêche d'un plus grand nombre d'espèces non désirables, comme les requins, les raies. Et aussi, une des raisons pour lesquelles le thon obèse n'est pas en grande forme, il y a une capture non négligeable de thon obèse juvénile sous ces objets flottants. D'accord, donc ils n'ont pas le temps en fait, de se développer et de se reproduire. Voilà. D'accord. Tout à fait. D'accord. Alors, est-ce que vous avez rencontré des difficultés au cours de ces opérations de marquage? Déjà, devant l'immensité de la zone à couvrir. C'est énorme. Donc on rappelle la zone à couvrir. Donc vous avez entre la Polynésie française et l'Indonésie, avec des zones économiques comme celle de la Micronésie, par exemple, qui sont des immenses déserts océaniques avec très peu de possibilités de se ravitailler. Parfois, on fait route 7 jours sans voir aucune terre. Oui. Donc ça demande des bateaux assez importants avec une autonomie suffisante. Donc ça, c'est le premier plus... le fait d'avoir à pêcher dans tous ces pays, les autorisations à avoir, le ravitaillement, etc. Ça, c'est... La logistique, disons, est compliquée. Mm-hmm. Et ensuite, au niveau du retour de l'information, oui. C'est aussi très compliqué, puisque nos marques peuvent atterrir dans toutes les conserveries du monde. On a eu des marques retrouvées en Afrique, retrouvées en Europe aussi. J'ai des conserveries à Douarnenez qui m'ont retrouvé des marques. Donc le thon est exporté partout. Et donc on a des difficultés à publiciser nos programmes de marquage. Tout le monde n'est pas forcément au courant, malgré notre gros effort de publicité. De publicité, oui. Voilà. Donc, et puis, bien sûr, on sait que toutes les marques capturées ne sont pas reportées. Actuellement, donc, on a 18% de recapture sur les 400 000 poissons qu'on a marqués depuis 2006. On en a eu 80 000 de récupérés, donc ça représente 18%. Et on sait que ce chiffre ne représente pas la réalité, il est inférieur à la réalité. On essaye pour corriger ce chiffre observé, on fait du faux marquage. Alors, qu'est-ce que c'est le faux marquage? On est vicieux, on est vicieux à la CPS. C'est-à-dire que sur tous les gros bateaux océaniques, il y a des observateurs qui sont placés. Maintenant, il y a 100% de couverture observateur. Chaque gros bateau océanique a son observateur. Mmh. Et donc, à ces observateurs, on donne un certain nombre de ces marques.
Et on leur dit, ben voilà, à l'écart de l'équipage, sans qu'ils le voient, vous marquez 20 poissons pendant votre campagne d'observation. Des poissons qui ont déjà été pêchés. Déjà été pêchés. D'accord. Donc ces poissons, on sait qu'ils ont été capturés, qu'ils sont marqués, tac, ils finissent dans la cale du bateau. Et puis on observe comment l'information nous revient. Il va nous revenir, par exemple, au moment où on transvase les captures du bateau au cargo ou pendant le déchargement, là où il y a la conserverie ou dans la conserverie, etc. Et on se rend compte que sur ces poissons dont on sait qu'ils ont été recapturés, on a à peu près juste 50% de retour. Ah oui. Donc nos 18% tout à l'heure, on peut les doubler et en faire facilement. D'accord, 35% donc ça vous donne... un ordre d'idée, c'est ouais. Quoi, c'est que les pêcheurs ne font pas vraiment l'effort, ils voient les marques, mais... Parfois les marques sont perdues, parfois les pêcheurs, il faut savoir que sur certains bateaux, ils partent parfois plusieurs mois, plusieurs années avant de revenir chez eux. Mmh. Bon, les marques sont perdues, elles sont parfois aussi... l'information est parfois perdue de façon assez amusante, par exemple, on sait qu'en Papouasie... c'était comme ça représente 10 dollars, donc ça représente pas mal oui. d'argent. Ces marques étaient échangées contre des paquets de cigarettes ou des cartes téléphoniques. Ah d'accord, il y avait un trafic de marques. Il y avait un trafic. Alors, lorsque on obtient l'information et que c'est déjà le troisième ou quatrième oui. acquéreur oui. de la marque, on peut se douter que les informations ne sont pas très fiables. Et donc, parfois, les marques sont carrément perdues. Oui. Voilà. Et en plus, bon, après, ça, c'est les bateaux industriels où l'observation, enfin, où l'information passe. Mais sur les palangriers asiatiques ou d'autres types de palangriers mm-hmm. Qui partent en mer parfois plus d'un an et où il n'y a pas beaucoup de marques de récupérer, souvent, elles ne nous reviennent pas. Quoi. D'accord. Alors, ces grosses campagnes de marquage, elles ont pris fin en 2013. Mm-hmm. Quelle est la suite de votre travail ? Donc, les grosses campagnes sur ces gros bateaux, ces gros canneurs, effectivement, qui marquent donc des milliers de poissons par mois dans des pays comme la Papouasie ou les îles Salomon, sont terminées. Les financements sont finis. Mm-hmm. Mais on continue à faire au moins une ou deux campagnes de marquage par an dans la zone du Pacifique central, hein, entre Samoa, Kiribati, Tokelau, Tuvalu, parce que c'est une zone où... on peut marquer plus de thon obèse, hein, et le thon obèse étant actuellement surexploité, on a besoin de données plus importantes, supplémentaires, pour pouvoir statuer de façon plus précise sur l'état des stocks. Donc on continue à faire une ou deux campagnes par an, et puis bien sûr on continue à analyser les données que vous avez pu récolter et à les incorporer de plus en plus dans les modèles d'exploitation des stocks qui nous servent à donner un avis le plus pertinent possible aux pays pêcheurs. D'accord. Ouais. Très bien. Mais c'est là-dessus que cet entretien va se finir. Je vous remercie, Bruno Leroy, d'avoir accepté notre invitation. Merci. Quant à nous, on passe à l'agenda du pays avec Davina. Salut Davina. Salut Chloé et salut à tous. Donc aujourd'hui pour cette semaine spéciale Pacifique, je t'emmène avec moi du côté de la Nouvelle-Zélande si tu veux bien. Yes, I do. On y va donc direction la Nouvelle-Zélande pour le Festival of Light qui se tient en ce moment même et jusqu'au 24 janvier. Donc pour ceux qui vont en Nouvelle-Zélande, hein, c'est l'occasion, écoutez bien. Donc ça se passe du côté du parc de Pukekula à New Plymouth, donc sur l'île du Nord. Donc la fête des Lumières a été votée quand même le meilleur événement communautaire fondé dans le pays de Nouvelle-Zélande. Rien que ça. Donc, ça veut dire que le prix reconnaît entre autres que cette manifestation est un moyen de rassembler toute la communauté et de fournir une expérience à tous ceux qui vont travailler pour ce festival. Donc voilà, il faut souligner aussi le fait que ce festival attire plus de 100 000 visiteurs par an. Donc ça peut être les Néo-Zélandais comme les gens du Pacifique ou encore du monde entier qui viennent pour cet événement. Alors, est-ce que tu peux nous retracer un petit peu l'histoire de ce festival ? Bien sûr. Alors, les origines du festival remontent en 1953, quand une fontaine est livrée dans un des parcs avec des lumières en dessous. D'accord. Et en fait, cette fontaine, elle a été mise là pour commémorer le couronnement de la reine Elisabeth II. Mm-hmm. Donc, ensuite, au fil des années, les lumières se sont rajoutées à l'occasion de Noël, à l'occasion d'autres fêtes. Mm-hmm. Et c'est resté comme ça. Du coup, ça a pris une telle ampleur qu'en 1993, il y a le festival qui voit le jour. Et c'est l'un des premiers festivals créés
créé en Nouvelle-Zélande déjà. C'est aussi l'un de ceux qui attire le plus de monde dans le pays et c'est aussi, je crois, celui qui a reçu le plus de prix. Eh bien, dis donc, alors il a reçu beaucoup de prix ? Ben, il n'en a reçu que 3, c'est peu en soi, mais c'est quand même déjà énorme pour un festival. Donc il faut savoir qu'en 2005, il a été nommé par le Premier ministre néo-zélandais comme étant le festival le plus créatif. En 2007 aussi, il a reçu un prix qui, on va dire, qui félicite les bonnes retombées économiques Pour la Nouvelle-Zélande. Et en 2014, il a été élu meilleur événement donc communautaire. Et donc, qu'est-ce qu'il y a, ce festival? Qu'est-ce qu'on peut y voir? Il y a différentes activités qui sont proposées? Oui, déjà, il y a le parc entier qui est mis en lumière. Il y a des guirlandes partout, des guirlandes lumineuses, des bougies, etc. Tout est mis en lumière. Il y a même, pour ceux qui veulent, il y a une espèce de lac dans le parc, tu sais. Et puis, les barques qui vont sur ce parc, elles sont aussi mises en lumière. Ah, ça doit être sympa. Donc, c'est une attraction assez particulière à faire. Hein, d'ailleurs, les amoureux adorent faire. C'est très romantique. C'est voilà. Ensuite, il y a aussi une espèce de roue à eau, tu sais, au bord de des ce lac. Des grosses roues, là, oui. Voilà, des grosses roues en bois. Eh bien, cette roue aussi est mise en lumière. Donc, ça fait partie du décor. Et tout, en fait, tout dans le parc, les arbres, les bancs, tout est mis en lumière. Ben, c'est pas mal de nuit pour se promener. C'est assez exceptionnel. J'imagine. Donc, du côté des animations, il y a aussi une scène d'été avec plusieurs artistes locaux qui se succèdent. Yes. Il y a également une énorme chasse au trésor pour les enfants. Mmh. Et là, c'est simple, là, le parc devient une aire de jeu pour tout le monde. Même les parents s'y mettent. Il paraît que c'est l'attraction du moment là-bas. C'est la chasse au trésor, tout le monde s'y met. Il y a 23 autres animations de ce genre qui sont proposées aux enfants et à leurs familles. Wow. Et puis, il y a également le cinéma en plein air dans le parc. Enfin, il y a plein d'autres petites animations comme ça. Il y a aussi les prestations du danseur du feu. Il y a les personnages géants qui se baladent dans le parc avec qui tu peux prendre des photos. Enfin, voilà. À voir. Ça a l'air vraiment d'être un événement de grande envergure. Donc, à ne pas rater. Donc, c'est pour bientôt. Retour à la réalité, on va dire, puisqu'on revient chez nous, puisque nous, on ne va pas en Nouvelle-Zélande, mais on reste ici et on va s'intéresser aux événements locaux. Oui, donc on va parler pour commencer d'un avis qui concerne l'interdiction de débarquement sur l'îlot Contrariété, donc qui se situe à Poya, donc qui accueille à ce jour plus d'une centaine de sternes et 200 spécimens nodis bruns, donc c'est une autre espèce d'oiseau. D'accord. Donc ces espèces sont extrêmement vulnérables et sensibles aux dérangements. Donc comme l'îlot est petit, on demande aux gens de ne pas venir pendant cette période. De reproduction. Tant qu'il y a les panneaux d'interdiction et que vous ne pouvez pas accoster. Il y a aussi une espèce de drapeau que vous allez voir bientôt à l'écran. C'est un mât rouge qui informe en fait les gens qu'il ne faut pas débarquer. Voilà, quand je vois ce mât, je ne débarque pas, tout simplement. Ok, donc on est en bateau, on arrive sur l'îlot, on voit ce mât, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de poser un seul pied sur l'îlot. Tout à fait, c'est une interdiction. D'accord. C'est strictement interdit quand tu vois ça de débarquer. Okay. Et tu risques une forte amende si tu le fais. Je ne le ferai pas. Donc, non, mais c'est valable aussi pour vous à la maison. Oui, bien sûr. Évitez de débarquer quand vous voyez le mât rouge. Oui, d'accord. Donc, c'est sanctionné par une grosse, grosse amende. Alors là, on parle de l'îlot Contrariété, mais il y a aussi beaucoup d'autres îlots qui sont interdits d'accès, comme l'îlot Signal, par exemple, dont tu nous as déjà parlé. Oui, l'îlot Signal. Donc, je tenais à souligner que, en fait, on avait préciser que c'était interdit de débarquer, mais les gens, ils sont allés quand même, ils ont détruit plusieurs nids de sternes. Donc voilà, c'est pour ça que j'insiste en fait sur le fait que quand vous voyez ce mât, il ne faut pas débarquer. Quand vous voyez les panneaux de signalisation qui sont mis par les gardes, il ne faut vraiment pas débarquer parce que voilà, c'est protégé. D'accord, très bien. Bon, on retiendra bien ce mât rouge ou alors les panneaux d'interdiction. On ne débarque pas sur l'îlot sous peine d'amende et puis surtout ne pas déranger ces beaux oiseaux qui sont parfois des espèces menacées. Donc on fait attention quand même à son environnement. Voilà, donc en espérant que le message soit bien passé. Et puis nous, on change totalement de sujet puisque là, on va parler de la danse. Oui, tout à fait. Donc on parle de l'acrodance qui organise donc des stages notamment street jazz, en raga et en latino jazz. Donc ce stage est dispensé par Jean-Michel Nguyen, qui est lui-même donc un professionnel de la danse. Hein. D'accord. Donc c'est ouvert à tous, donc aux petits, aux ados comme aux adultes. Hein. Ça se passera les vendredis 23, samedi 24 et dimanche 25 janvier sur le site du tennis club de Coney. Donc ceux qui sont intéressés, il y a un numéro de téléphone pour vous, le 76 21 20. Merci beaucoup Davina, on se retrouve demain. Merci Chloé et au revoir tout le monde. Et on retrouve Jamie pour la chronique C'est Sport.
Le rugby dans ses sports. Dans le cadre de cette semaine spéciale Pacifique, et vu la place qu'occupe le rugby dans la région, c'est évident qu'on allait en parler. Bonjour Jimmy. C'est clair. Bonjour Chloé et bonjour le pays. Christopher Tolofoa, à peine 20 ans, ce beau bébé que l'on voit à l'image qui culmine, je pense, à plus de 2 mètres ou 1 m 99, voilà, à peine 20 ans, qui est déjà professionnel. Il évolue, comme on le voit à l'image, au stade toulousain. Pour la petite histoire, Christopher Tolofoa, lorsqu'il est parti avec la sélection équipe de France jeune à Clairefontaine pour une préparation d'une grande compétition, eh bien, il a été tout simplement rappelé par l'entraîneur du stade toulousain, Guy Noves. Donc ce jour-là, c'était en 2012, il célébrait sa première titularisation avec le stade toulousain, et c'était en plus contre Clermont Ferrand. Voilà pour Christopher Tolofoa ou encore Sébastien Vaamaina que l'on va voir, voilà, à l'image, en équipe de France, s'il vous plaît, aux côtés de José Lino Souta. Donc voilà, deux Wallisiens qui évoluent, deux Wallisiens d'origine calédonienne, pardon, qui évoluent en équipe de France, donc des sélections. Il faut dire que ce n'est pas tous les jours qu'on peut voir des Calédoniens évoluer en équipe de France. Ouais. Ça, en l'occurrence, là, c'était pour le tournoi Destination. On peut continuer aussi avec Romain Taoufifénois, qui est un concurrent direct de Sébastien Vaamaina en équipe de France. Là, on le voit sous les couleurs de l'USAP. Donc voilà, ce sont tous des Calédoniens qui évolue en métropole. On peut continuer la liste des joueurs avec, cette fois-ci, pas des joueurs calédoniens, mais des joueurs fidjiens, comme ici Nalaga, qui est aujourd'hui considéré comme l'une des principales attractions du top 14. Mm-hmm. L'ailier fidjien qui évolue au Clermont-Ferrand. Et derrière, on peut voir Noah Nataikasi de fidjien, qui défend. Voilà, Noah Nakaitasi, qui évolue tous les deux sous les maillots de Clermont-Ferrand, donc de Fidjiens. Comme nos joueurs calédoniens, ils ont décidé de partir en métropole. Voilà, on pourrait continuer la liste des joueurs du Pacifique qui évoluent en métropole en citant les noms de certains Néo-Zélandais ou encore des joueurs samoans ou tangiens, mais pour dire que c'est une grande, grande liste de joueurs et de sacrés joueurs qui évoluent dans l'un des meilleurs championnats du monde, du championnat de rugby du monde, qui est le top 14. C'est le championnat français qui, chaque année, voit l'arrivée des joueurs du Pacifique. Le pire, c'est qu'ils n'arrivent pas tout simplement pour faire joli, voilà, comme on dit ici. Ils arrivent et ils s'imposent. Donc, c'est une bonne chose pour le rugby du Pacifique. Bon, ben, ça prouve qu'on a vraiment un bon niveau dans le Pacifique, dans la région Pacifique. Voilà, il n'y a pas photo. Tu sais, on peut citer aussi la Nouvelle-Zélande comme une autre référence du rugby. Hein. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas. Là, légendaires All Blacks. Voilà, je ne vous apprends rien. La Nouvelle-Zélande, qui dernièrement a été sacrée championne du monde de rugby en 15. Mais il y a aussi les îles Fidji qui, eux, quant à elles, sont championnes du monde de rugby à 7. Wow. Voilà, les îles Fidji, ce sont vraiment les dominateurs. Là, on assiste actuellement à une domination sans partage des rugbymen fidjiens dans cette discipline. On peut continuer. Là, je crois que je vais m'arrêter là avec John Alomou. Tu sais, au niveau des références, l'ailier néo-zélandais qui a été élu meilleur joueur à plusieurs reprises du monde de rugby. Donc voilà, mais j'aimerais terminer aussi avec Tonga et Samoa qui n'ont raté aucune Coupe du Monde. Les faits sont là et montrent que le rugby du Pacifique n'a rien à envier aux autres nations de rugby dans le monde entier. En effet. Alors, et chez nous, qu'est-ce qu'il en est du rugby calédonien ? Alors, le championnat calédonien actuellement est terminé. Et puis, on connaît déjà le nom du vainqueur du championnat, l'Olympique de Nouméa. Invaincu depuis le début de la saison, l'année 2014 du rugby calédonien aura vu la domination sans partage du club de la capitale. Alors, les matchs se ressemblent. C'est la phrase que l'on pouvait entendre à chaque fin de rencontre du championnat, à chaque fois qu'une équipe joue contre l'Olympique. Et d'ailleurs, le journal quotidien du pays titré dans l'une de ses colonnes rubrique sport, titré donc une année olympique lorsque l'Olympique a été sacré championne de Calédonie de rugby. Il faut dire qu'ils ont tout raflé cette année. C'est clair, rugby à 15, rugby à 7, l'Olympique, comme tu le dis, a tout raflé, Chloé, en sélection, notamment en rugby à 7. La plupart des joueurs sont des Olympiens. Technique, impact, physique et vivacité, ce sont véritablement les atouts de cette formation et de ces joueurs. Des gestes d'ailleurs qui sont répétés encore et encore à l'entraînement. Et donc voici un reportage qui vous montre la méthode de travail de ces champions de Calédonie en titre. Je vous propose tout de suite de découvrir ce reportage intitulé « Une rencontre olympique ». Let's go.
bon faire. Le mec, il va lancer la montée. On suit. En bloc. Et si on devait présenter l'Olympique de Nouméa en général, on remonterait jusqu'au 8 août 1930. Donc 15 sections, 2800 licenciés. Aujourd'hui, le rugby constitue, je dirais, une des sections importantes dans ses résultats dans le club olympique de Nouméa, déjà depuis quelques années. Il nous est arrivé d'arriver plusieurs fois en finale et j'ai l'impression que cette année, c'est notre année. On sent quelque chose qui se passe. On a un beau parcours puisqu'on est invaincu depuis le début de l'année. Les autres équipes commencent à gratter derrière et donc à nous suivre sur le terrain de la performance. Et là, maintenant, on se retrouve vraiment avec des belles bagarres sur chaque match. Sol. Je pense qu'on a les joueurs et ceux dans toutes les catégories. Hein, on peut parler aussi de l'équipe senior, mais aussi des moins de 18, des moins de 16. Des joueurs de moins de 14 ans aussi, une équipe de filles. Hein, ce sera la nouveauté 2015, mais surtout continuer le travail qu'on fait au niveau des équipes déjà en place et qui donnent de très bons résultats. C'est un esprit de groupe qu'on a surtout, hein, puisqu'on fait partie de. Nos jeunes font partie de la vallée des Colons, de la vallée du Tir, maintenant de Ducos. On est très fiers également, depuis l'année dernière, on a nos jeunes de 18 ans qui est parti au club de Bayonne, qui joue en espoir à Bayonne. On essaye également d'avoir un pool de partenaires, puisque sans argent également, on ne peut pas faire avancer les choses, d'autant que la licence de rugby est excessivement chère. Voilà, puisqu'il faut compter 16 500 francs, une licence pour un joueur senior. Donc nos jeunes, certains ne trahissent pas, donc on les aide également à ce niveau-là. Pour payer leur licence en leur fournissant, en les aidant à trouver un petit job, etc. Ok, stop. Ok, buvez un coup, venez ici là. Plaquage manqué, replacement défensif. Donc tout ça, c'est ce qu'on va voir là rapidement ici. Donc ici, le premier truc que je vais voir avec vous, c'est la montée défensive. C'est pour ça que dans l'atelier que vous avez fait là, je vous ai demandé d'être coordonné, de vous parler visuellement, oralement et de vous regarder visuellement. Ok, tout ça c'est la communication, c'est important. En défense, celui qui va défendre tout seul, ça n'existe pas. Rambo, c'est dans les films. Hein. Donc, on a besoin de son collègue, donc il faut vraiment qu'on se parle, qu'on se regarde. Donc c'est pour ça que je parle de montée défensive et de replacement défensif. Ok, ça va vraiment être l'objectif pour préparer la finale. Les deux derniers matchs qui nous restent, on va vraiment essayer de mettre ça en place. Ok, essayez d'intégrer ça dans vos têtes, comme ça on va arriver en finale, on va être carré. Là en fait le thème d'aujourd'hui c'est la défense. On essaie de mettre en place un système défensif pour pouvoir l'appliquer en préparation de la finale en fait. Voilà, très bien, c'est bien ça. Stop. J'ai axé sur la défense parce que c'est notre plus grosse lacune en fait. En attaque, il n'y a pas de souci. Bon, le physique on le fait toujours, physique intégré avec ballon, les situations de jeu. Sol. Là, on est en train de travailler la défense inversée. Donc, on essaye vraiment de couper les transmissions de balles de l'adversaire. On essaye de l'empêcher d'avoir un temps de réaction et pouvoir mettre en place son jeu offensif. Donc, le but de la défense inversée, c'est surtout ça, quoi. Première mi-temps, on mène de 40 à 0. Deuxième mi-temps, c'est la fête. Là, on n'a plus envie de défendre, on se regarde plus, on se parle plus. Là, vous avez vu que dès que vous mettez l'adversaire sous pression, il panique. Et là, il commence à jeter les ballons à tout va. C'est ça qu'il faut faire. Le filet à poisson, pensez toujours au filet à poisson. Là, j'ai envie d'attraper un gros, hein, gros carang ou je sais pas moi. Ça marche? Attends un peu. Attends. Je. Avec la fatigue et tout, il y a un manque de lucidité au bout d'un moment. C'est là où vraiment on doit travailler mentalement. Et comme je disais, il va falloir communiquer visuellement parce qu'au bout d'un moment, les mecs sont fatigués et ils parlent plus. Du coup, ça laisse un peu des options pour l'adversaire, quoi. Le ballon, il est encore ici. Les gars, mais regardez qui vous a en face de vous. Une fois que le ballon il sera parti, là, je peux regarder là-bas.
Mais il est déjà là-bas. Là. Lui, là, je vais le démonter. Mais c'est faux. OK. Le temps qu'il arrive là-bas, le ballon, il est déjà de l'autre côté. Donc parlez-vous, regardez-vous. OK. On a une équipe assez jeune, avec certains anciens qui sont toujours là pour donner la main. Le point fort qu'on a dans notre équipe, c'est surtout la rapidité. On a des joueurs très rapides, des trois quarts très rapides. On a également dans le paquet des joueurs assez rapides. Et du coup, notre jeu se joue beaucoup sur la vitesse au ballon. Et depuis déjà 2 années, il y a une belle équipe qui a commencé à se construire. Et cette année, on a fait beaucoup de progrès. Les garçons ont été toujours fidèles aux entraînements. Il y a eu beaucoup d'assiduité, beaucoup de ponctualité au niveau des jeunes. Ils ont joué le jeu. On a terminé l'année dernière avec une défaite en finale face au Mondor qui a été plus fort que nous. Et on leur a promis à Mondor, l'année dernière au jour de la finale, que cette année, 2014, on allait revenir récupérer le bouclier. Cette promesse-là, on l'a tous gardée en tête, les joueurs et moi. Et on s'est entraîné très dur. On a pris chaque match comme il fallait. On a considéré l'équipe en face comme il fallait. On a gagné tous les matchs jusqu'à présent, aucune défaite. Et ça, c'est quelque chose de bien. On a un objectif, c'est de terminer l'année. Premièrement, récupérer le bouclier et aussi essayer un sans faute, aucune défaite, qui a bien commencé. Ben, on peut dire qu'ils sont, pour l'instant invaincus. Donc ça donne bien une idée du niveau de l'Olympique aujourd'hui. Bien que, je le disais tout à l'heure, les autres équipes sont en train de rattraper leur retard de début de saison pour mener des matchs très intéressants dans la fin de saison. Voilà, vous l'aurez compris que ce sont des images, un reportage qui a été tourné l'an dernier. C'était à la veille de la finale d'ailleurs. Avant que l'Olympique dispute sa grande finale de championnat. Vous inquiétez pas, les joueurs, les entraînements n'ont pas repris, la séance n'a pas encore débuté, vous n'avez pas raté la séance de reprise. Alors l'Olympique de Nouméa, donc invaincu durant la saison régulière, quelles sont les statistiques du club? Alors d'énormes statistiques, Chloé, j'ai même envie de dire des statistiques stratosphériques, mais bon. J'exagère, je pense, avec des voyants qui sont toujours dans le vert. L'Olympique, vraiment, c'est le mastodonte du championnat 2014, invaincu et invaincu dans toute compétition confondue. C'est vraiment du 100% avec un total de 134 points marqués. C'est énorme, dont 50 à domicile et 84 à l'extérieur. On notera au passage que ce n'est pas toujours évident de marquer à l'extérieur. Puis enfin, 83, c'est le nombre de points encaissés, 34 à domicile et 49 à l'extérieur. Voilà, en plus d'être invaincu en championnat, on peut noter aussi que c'est le club qui n'a encaissé aucun carton, zéro carton rouge, zéro carton jaune. Comme on dit, le fair play l'emporte. Ouais. Voilà, de belles statistiques que l'on aimerait voir plus souvent dans tous les terrains. Vraiment, chapeau les garçons. Donc on pratique vraiment du beau rugby quand même, hein, avec des joueurs qui sont quand même assez élégants. C'est clair, ce n'est pas Philippe Saint-André, non pas Saint-Philippe, Philippe Saint-André qui est le sélectionneur de l'équipe de France qui affirmera le contraire, Chloé. Il disait dans les colonnes de l'équipe, qui est un journal sportif métropolitain, il y a un gros réservoir de joueurs en Nouvelle-Calédonie, mais les distractions sont nombreuses. C'est-à-dire? Il y a trop de sport, qu'est-ce qu'il veut dire par là? Alors ce qu'il veut dire, c'est que les bons joueurs de rugby doivent à tout prix partir, et ça le plus tôt possible, en métropole. D'accord. Prenons le cas de Sébastien Vahamaina, qui avant de terminer là où il est actuellement, c'est-à-dire un joueur du top 14 et sélectionné en équipe de France,
ce beau petit bébé de 2m10 avait commencé sa carrière sportive, non pas dans le rugby, mais dans le handball. Il avait commencé à jouer du handball. Voilà ce qu'il veut dire, c'est que comme ici, il y a de nombreuses disciplines, et comme les Calédoniens, on va dire qu'ils touchent comme on dit, volley, handball, certains ne sont pas conscients du potentiel qu'ils ont. Donc du coup, pour eux, il faut qu'ils partent pour qu'ils… Ben, voilà, si Sébastien Vahamaina, il avait continué dans le handball, s'il n'était pas rentré dans le rugby à 7, on n'aurait jamais su que c'était un excellent joueur du rugby. D'accord. C'est un champion né et il n'aurait pas intégré l'équipe de France. D'accord. C'est ça, quand il parle qu'il y a beaucoup de distractions, c'est qu'il faut à tout prix que les clubs retiennent les joueurs dans le rugby. S'ils voient qu'il y a du potentiel auprès de ce jeune, il faut le retenir et puis il ne faut pas attendre. Il faut l'envoyer directement en équipe de France. Pas en équipe de France, pardon. Quoique dans les clubs en France. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Vite l'envoyer pour qu'il soit bien encadré et formé avec les techniques et les bases du rugby que les écoles de rugby françaises savent faire très bien. Donc on retient qu'en Calédonie, on a quand même un bon niveau. Où est-ce qu'on se situe au niveau régional? Alors le rugby calédonien, il a du mal à exister face aux ogres fidjiens, néo-zélandais et australiens, mais ça, ce n'est pas une grande surprise. On est entouré de champions, là. Voilà, en rugby à 7, durant le dernier tournoi océanien, la Calédonie avait terminé 11e sur 12. Aïe. Voilà, en pleine construction, le rugby calédonien a subi de plein fouet la foudre du haut niveau. Mais pour Bruno Salvet, le sélectionneur de l'équipe calédonienne, l'objectif, c'est bien entendu d'acquérir de l'expérience et d'apprendre les bases du rugby moderne que justement propose le rugby à 7, qui est un jeu basé sur le déplacement. Sébastien Vahamaina, avant de rentrer dans le top, dans le rugby à 15, c'est un jeune qui avait fait ses classes dans le rugby à 7. C'est un exemple de réussite. Mais voilà, après, si on termine 11e, vraiment, on a tout à apprendre de nos voisins fidjiens, de nos voisins néo-zélandais, qui pour eux, le rugby reste tout de même un sport national, le sport numéro un. Ici, c'est le football. Là-haut, c'est le rugby. Donc, du coup, ils ont une longueur d'avance au niveau de la formation, au niveau des structures pour encadrer les jeunes. Puis, il n'y a pas de secret. Si demain, on veut atteindre ce niveau, il faut que… C'est ce qui se fait actuellement dans le rugby. Plusieurs déplacements sont effectués, notamment au niveau du rugby à 7. Masculin et féminin, sortir pour apprendre, c'est la clé de la réussite. Alors justement, on parle des garçons. Oui, voilà. Est-ce que tu peux nous dire un petit mot sur le rugby féminin? Alors actuellement, le rugby féminin, les filles sont une dizaine à pratiquer donc du ballon rond, alors qu'il n'y a que 3 clubs sur le territoire, le CREC, Païta. Du ballon ovale, excusez-moi, autant pour moi. Merci Chloé. Voilà, donc une dizaine à pratiquer du ballon ovale, alors qu'il n'y a que 3 clubs, donc le CREC, Païta et le Stade calédonien. Le rugby calédonien, il faut savoir, ça c'est un constat qui est incontestable. Le rugby féminin est en plein essor. Les femmes sont en approche. C'est la preuve. Bien. Voilà, cette année, un nouveau club fera son apparition, son entrée en lice dans le championnat féminin. C'est le club des Crevettes Musclées, un club qui nous vient de la province Nord. Après, voilà, si vous avez l'habitude de vous rendre, comme toi, Chloé, à la promenade Pierre Vernier pour effectuer mon petit footing matinal à partir de 18h ou footing matinal, c'est pareil, t'inquiète pas. Je fais les deux. Tu pourras croiser la sélection féminine de rugby à 7 avec leur sélectionneur. Elles sont en pleine préparation pour un déplacement sur Fidji, un tournoi de rugby à 7. Donc ils ont compris que pour apprendre, il faut se déplacer. Surtout qu'ici, on est en manque cruel d'équipe. Donc pour avoir des matchs et pour garder la compétition, pour être compétitif, c'est difficile d'évoluer dans un championnat restreint. D'où la nécessité de partir à l'étranger. Ce n'est pas les références qui manquent ici dans la région Pacifique. Mmh. Pourquoi s'en priver? Tu as bien raison. Merci beaucoup pour ce point rugby, Jamie. Écoute, merci Chloé et puis merci à tous. Et nous, on passe à Job Éducation avec Marie-Hélène. Bonjour Marie-Hélène. Alors aujourd'hui, on parle d'études effectuées chez nos voisins néo-zélandais. On dit que les voyages forment la jeunesse, mais est-ce que étudier en Australie ou en Nouvelle-Zélande permet le même épanouissement? Alors bonjour Chloé et bonjour à vous, chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que lorsqu'on a envie de partir étudier comme ça à l'étranger, donc dans un pays anglo-saxon en l'occurrence, pour nous les Calédoniens que nous sommes, la première barrière va être la langue. La langue. Voilà. Alors d'ailleurs, c'est un peu difficile de partir en Nouvelle-Zélande ou en Australie quand on a un niveau
niveau assez faible en anglais. Eh oui, c'est vrai. Je te dirais effectivement que dans ces cas-là, eh ben, il faut parfaire son apprentissage de la langue. Hein. C'est tout ce qu'il y a à faire. Et pour cela, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent aux jeunes. Il peut soit partir pour un séjour linguistique. Hein, et dans ce cas-là, ce sont ses parents qui peuvent effectivement financer le séjour. Voilà, donc ça a un coût. Oui. Et puis sinon, il peut aussi avoir l'occasion de participer à un voyage d'études dans le cadre de sa scolarité. Et là, partir en groupe et puis justement pratiquer la langue. Voilà, donc ce sont des séjours qui en général s'effectuent pendant les vacances scolaires, les grandes vacances ou les vacances au milieu de l'année, ou alors une fois qu'on a son bac en poche. Exactement, Chloé. Et donc, si tu veux, par la suite, on peut très bien décider de faire ses études supérieures justement dans un pays anglo-saxon. Hein. Mmh. Et là, il faut faire le bon choix, il faut être vigilant parce qu'en fait, si le financement de ses études supérieures donc, est effectué par les parents, il va falloir choisir, si tu veux, une filière pour laquelle il n'y aura pas de problème d'équivalence, en fait, au niveau donc, des diplômes. D'accord, mais comment on fait alors ? Eh bien, si tu veux, l'idéal, c'est déjà de se renseigner finalement au préalable, avant de faire son choix, auprès des structures qui sont dédiées donc, aux formations, parce que les conseillers seront à même en fait, de les renseigner. Mm-hmm. Hein. Ensuite, si tu veux, l'idéal, hein, bien évidemment, on ne va pas dicter aux gens ce qu'ils doivent faire, hein, on est bien d'accord. Mais l'idéal, c'est quand même de ne pas choisir, si tu veux, de faire ses études dans un secteur où on aura par la suite un problème d'équivalence, parce qu'il faudra faire des démarches ensuite. Bon, du coup, comment on fait alors ? Eh bien, figure-toi qu'il existe en fait d'autres alternatives. Voilà, on va prendre l'exemple en fait de la bourse NZ, parce qu'on le sait tous que partir étudier à l'étranger, ça a un coût. Oui. Et donc, obtenir une bourse, c'est quand même une bonne chose. Mmh. Donc, la première possibilité qui peut s'offrir à un jeune, c'est donc de suivre une formation continue s'il est déjà salarié. Hein. Donc, il aura droit à une formation donc, en anglais parfaire son niveau. Mmh. Exactement. Et puis ensuite, il aura un stage qui va lui permettre donc de compléter ses compétences, d'acquérir de nouvelles compétences également. Hein. Ensuite, on a le choix de la formation professionnelle. Là, il s'agit donc de suivre une formation d'une durée maximale, si tu veux, d'un an. Et là, on va donc s'attacher à développer ses compétences professionnelles pour qu'au retour, on soit plus opérationnel. Donc ça, là, des secteurs, si tu veux, prioritaires sont donc déjà définis, puisqu'il s'agit aussi de former les jeunes dans des secteurs où la Calédonie a besoin en fait, de force vive. Hein. Donc ces secteurs-là, en fait, sont les suivants. Il y a le domaine donc, de l'infographie, du tourisme vert également, de l'agriculture, agriculture bio également, l'environnement. Les secteurs culturels sont également concernés, également les secteurs artistiques, le management, et puis également la mine, bien évidemment, et la métallurgie. D'accord. Alors, il y a déjà de nombreux Calédoniens qui sont déjà partis se former donc, dans le secteur de la restauration et de l'hôtellerie. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu sais qu'il y a deux jeunes là, de la province nord qui travaillent déjà en fait, dans le secteur de l'hôtellerie, qui sont donc actuellement donc, en Nouvelle-Zélande, donc en formation continue. C'est bien, ils ont quand même vraiment le choix. Ce sont des secteurs pour lesquels la Calédonie donc, a besoin de jeunes formés. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour être sélectionné et donc suivre une formation dans un secteur d'activité dont tu viens de parler en fait ? Oui, écoute, si tu veux, le mieux c'est quand même de suivre une formation en lien avec les compétences que l'on a déjà acquises, parce qu'il faut quand même assurer son insertion professionnelle au retour de la formation. Ensuite, j'ai envie de te dire qu'il va falloir donc être attentif aux informations et donc à la campagne d'ouverture en fait. De cette bourse néo-zélandaise. D'ailleurs, la campagne a déjà commencé, donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous renseigner et elle va se terminer, Chloé, à la mi-mai. Ensuite, il faut être éligible, bien évidemment, et pour cela, il faut être donc calédonien ou polynésien et puis être issu d'un milieu défavorisé. Et puis pour finir, il faudra donc bien évidemment se rapprocher des structures dédiées à l'emploi. Donc il n'est pas nécessaire d'appeler tout de suite en fait, le consulat, rapprochez-vous plutôt donc, des missions d'insertion des jeunes et puis on le sait, de la DEFIJ, la direction de la formation de la province Nord, et puis de l'EPFIP, qui est donc l'établissement de la formation et donc de l'insertion. Et l'insertion professionnelle. Voilà, aux loyautés. Merci Chloé. Alors, est-ce que c'est le consulat ensuite qui décide, qui sélectionne les dossiers ?
Eh bien oui, figure-toi, ce sont eux qui font donc une sélection à partir du projet professionnel. Donc le projet professionnel est vraiment très très important dans la prise de décision. Hein. Ensuite, la motivation du candidat, ben, elle va être observée hein, lors d'un entretien. Et puis le niveau d'anglais, bien évidemment, tu te doutes, est aussi observé. La décision finale, elle appartiendra donc au ministère des Affaires étrangères à Wellington. D'accord. Et donc ensuite, le candidat s'engage pour une formation plutôt courte ou plutôt longue ? Alors, tu vois, dans le cadre des formations continues, hein, lorsqu'on doit suivre des cours d'anglais intensif, oui, ça peut durer, selon le niveau, hein, de 1 à 4 mois. Hein, ensuite, ça, c'est juste stage pour la remise à niveau en langue. Oui, d'accord, dans le cadre de la formation continue, d'accord, en fait, parce que c'est selon le type de formation, finalement, hein, qu'il y a plus ou moins une durée longue pour les cours d'anglais, okay, intensif. Hein. Donc, en gros, on va donner une fourchette, elle peut être de 1 à 4 mois. Mm-hmm. Ensuite, voilà, la formation débute hein, suite à cette période. D'accord, pour environ une année. Exact, la durée maximale est de 1 an. 1 an, d'accord. Mm. Alors, pourquoi est-ce que la Nouvelle-Zélande aide, justement, les jeunes du pays et puis ceux de la Polynésie à se former donc sur leur territoire? Ben, si tu veux, c'est une façon en fait pour la Nouvelle-Zélande de montrer hein, qu'elle souhaite s'intégrer hein, dans la zone pacifique et puis qu'elle souhaite aussi faire valoir ses atouts. Hein. Mm-hmm. On sait qu'ils sont nombreux. Hein. On va citer par exemple sa culture, oui, sa philosophie de vie. Donc voilà, ça c'est une bonne chose hein, pour nous, chers Calédoniens. Et puis une fois que l'on est diplômé, eh ben, le jeune il va pouvoir faire valoir bien évidemment son savoir-faire hein, qu'il a acquis donc, durant sa période néo-zélandaise. Mm-hmm. Et puis il va aussi participer hein, au développement du pays. Hein. Parce que ça, c'est un critère aussi de recrutement pour pouvoir accéder à cette bourse, et c'est de revenir au pays, c'est ça? Oui, exactement. Il va falloir travailler au moins 2 ans au pays. D'accord. Mm. Donc c'est même une exigence, en fait. C'est une exigence. C'est obligatoire, donc. C'est obligatoire. D'accord. Lorsqu'on part, on sait qu'il va falloir revenir travailler au moins 2 ans au pays. Ensuite, si tu veux, on ne va pas en dire de trop, puisqu'on va regarder le reportage de Duke Menango, parce que figure-toi que l'an dernier, lorsque les jeunes qui étaient éligibles, si tu veux, à la bourse ONZ ont reçu donc leur billet d'avion des mains du consul, Duke était présent. D'accord. Voilà, et donc il a eu la chance justement de rencontrer Alan, hein, qui est un jeune qui est actuellement donc en Nouvelle-Zélande, qui a accepté hein, de se faire suivre hein, pendant sa préparation avant son départ pour les études. Donc on va découvrir tout de suite le reportage. Bonjour, je m'appelle Alan Hewing, je suis un candidat à la bourse NZ. La plupart des candidats de la bourse Nouvelle-Zélande s'envoleront demain. Moi, je ne ferai pas partie de ce début de promo, je partirai qu'en janvier 2015. Donc, je suis revenu de métropole l'an dernier avec l'objectif de me donner 1 an sur le territoire pour me professionnaliser et mieux cerner mon projet professionnel. Et en fait, la candidature à la Bourse NZ m'a aussi aidé à construire mon projet professionnel. J'ai déjà une maîtrise en anglais et j'ai voulu bifurquer. Maintenant, j'ai envie de travailler dans la culture. J'aime beaucoup le milieu des expos, mais voilà, je n'ai pas de qualification dedans. Donc, j'ai commencé à monter mon dossier pour la Bourse NZ en me disant « je veux faire des études dans la culture ». Mais je n'avais pas encore la prétention de me dire « ah, je veux être ça ou ça dans le milieu. » Donc, en montant le dossier, il fallait avoir un projet définitif, un métier à la clé. Donc, je me suis dit, je veux être régisseur d'exposition. Donc, pour appuyer mon dossier à la candidature NZ, j'ai fait une demande de stage au Centre culturel Tibau, qui a accepté de me soutenir. Donc, depuis fin mai, je suis là-bas. Et donc en même temps que le stage, j'ai commencé les procédures pour le dossier de Bourse NZ. Il fallait se montrer convaincant que le métier pour lequel, la formation pour laquelle on va en Nouvelle-Zélande, elle sert justement à l'économie, au développement du territoire. Donc moi c'est dans la culture, je veux travailler sur des projets artistiques qui permettent aux artistes qui sont néo-calédoniens et des artistes du Pacifique de travailler ensemble. Enfin, c'est le genre de projet sur lequel je veux travailler. La Bourse NZ, elle est donnée pour 1 an avec 4 mois de cours d'anglais au préalable avant l'entrée universitaire. Moi, j'ai l'opportunité de ne pas avoir à faire ces cours. En fait, en juin, je me suis dit, je viens de commencer mon stage, j'ai envie de le prolonger un peu plus longtemps, donc j'aimerais éviter ces 4 mois de cours d'anglais.
Donc je suis allé voir l'école d'anglais de Nouméa et j'ai pu passer avec eux ce qu'on appelle le CAE, le Cambridge Advanced English, que j'ai eu et qui m'a évité justement d'avoir ces 4 mois de cours d'anglais à faire et de reporter mon départ qu'en janvier, où j'aurai quand même 2 mois de cours d'anglais pour me préparer, me permettre de m'adapter à la ville et avant de commencer en mars ma formation qui va se faire justement dans le management de l'art. Donc voilà, c'était pour lui vraiment une chance de voir la variété des expositions, des projets, une saison très, très éclectique, voilà, très riche, et puis en expérience humaine. Je pense qu'il y a quelque chose de très fort à la base aussi pour lui. Voilà, ce qui était bien pour ma part, en fait, c'est découvrir un stagiaire complètement ouvert aux autres, heureux de partager, d'échanger, de développer en fait ses idées, d'apporter en fait, on le dit dans notre langage, d'apporter du sang neuf. Hey yo, I came a long way since back in the day, from a teenager trying to make it rap in this way. Ever since I was a kid, I had something to say. Rocking mics was a dream, I didn't care about pay. I sacrificed late nights and going out with my friends just to stay home alone with my pad and my pen. Had my eyes on my prize, my mind on my goal. Je vais en Nouvelle-Zélande pour faire un diplôme en réception à l'hôtellerie à Wellington. Si je vais là-bas, c'est plus pour moi, c'est pour revenir après et puis m'améliorer. Après, c'est vrai que c'est un peu long, un an, loin de la famille et tout ça. Mais bon, faut s'y faire. On fait pour nous, mais aussi pour le pays, quoi. Et voilà, pour que nous-mêmes, pas qu'on dirige le pays, mais qu'on prend les choses en main, quelque part pas là. Mais pour ça, il faut aller chercher de la qualification, parce que c'est ce qu'ils demandent beaucoup. Pour bénéficier de cette bourse NZ, il faut déjà avoir un projet dans lequel on va revenir dans le pays et puis travailler dessus. On est très très fiers de cette promotion, hein. Et puis du fond du cœur, passez un bon séjour, profitez bien, enjoy, et surtout, tenez-nous bon. D'accord ? Ok, donc on garde le contact, vous avez donc une coordinatrice, etc. Et ce qui me ferait le plus grand plaisir, c'est que peut-être la semaine prochaine, on reçoive un petit mail, parce que voilà, ça nous fera vraiment plaisir de savoir que vous êtes installé, que ça va, la famille d'accueil. Voilà pour Alan, il est courageux quand même de partir loin de sa famille pour un an ou deux. Est-ce qu'on a des nouvelles d'Alan ? Eh bien écoute, aux premières nouvelles, hein, je dirais que voilà, il est bien arrivé. Déjà. Ensuite, il a débuté donc par un mois donc de cours intensifs en anglais. Ensuite, il va débuter donc sa formation. Il faut savoir qu'il est parti donc pour préparer un master, hein, et il est d'ailleurs le premier en fait à suivre donc des études universitaires grâce à la bourse néo-zélandaise. D'accord, ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand on part étudier dans un pays anglo-saxon, il faut penser justement à cette fameuse équivalence des diplômes. Ouais. Où est-ce que ça en est, ça ? Eh bien, figure-toi que Alan a de la chance, c'est-à-dire que le diplôme qu'il est en train de préparer est reconnu internationalement. Ah, bon, donc déjà, il n'aura pas le souci de l'équivalence. Mais en règle générale, c'est vrai qu'il faut être vigilant, Chloé, hein, tu fais bien de le souligner. Et donc, il est préférable d'encourager, si tu veux, des formations hein, pour lesquelles il n'y aura pas de problème de reconnaissance de diplôme. Oui. Hein, ça, c'est certain. Alors, moi, du coup, j'ai passé un petit coup de fil quand même au bureau du consulat hein, pour avoir un petit peu plus d'informations. Et donc, la personne que j'ai eue au téléphone me disait que, bon, dans le cas des échanges internationaux qui organisent l'université, il y a donc hein, voilà, des choses de prévues hein, lorsque un jeune, par exemple, qui est en licence, décide de poursuivre, si tu veux, un bout de son cursus en Nouvelle-Zélande. Hein, donc, il y a des accords hein, qui sont définis dans un cadre bien précis. Ensuite, dans le cadre de la formation professionnelle, justement, il faut savoir que la Nouvelle-Zélande, elle prévoit d'envoyer, si tu veux, des jeunes en formation dans des secteurs d'activité dans lesquels il n'y aura pas le problème d'équivalence. Hein, je pense notamment au domaine du commerce, au secteur aussi du tourisme ou encore de l'ingénierie. Donc, c'est-à-dire que le jeune, à son retour au pays, il peut faire valoir, en fait, son diplôme sans problème. D'accord.
Donc, tu vois, les choses sont quand même bien faites, hein, puisque il ne faut pas oublier quand même qu'à la clé, l'objectif, c'est quand même que le jeune qui part avec la bourse néo-zélandaise s'insère ensuite professionnellement au pays. Hein, oui. Donc, bon, il faut tout faire quand même pour que ça se passe au mieux. Ensuite, une fois qu'il est diplômé, c'est aussi aux employeurs hein, de prendre aussi un petit peu la relève. D'accord. Alors, il y a aussi cette correspondance entre les... Je me rappelle que j'avais appris ça à l'école, au collège, au lycée, je ne sais plus. Ouais. À quoi correspondaient nos diplômes à nous, les diplômes français, dans un pays anglo-saxon. Mm-hmm. Alors, je me rappelle juste du baccalauréat. Alors, le baccalauréat, c'était le National Certificate Education Achievement, le Bac plus 1 Certificate, le BTS DUT National Certificate, et puis après, il y avait la licence. Oui, exactement. Pour la licence, c'est le bachelor degree. Mm-hmm. Ensuite, pour le bac plus 4, on va parler d'un bachelor of honor. Mm-hmm. Et puis, pour le master, c'est facile. C'est master. C'est master ou MBA. Ah. C'est vrai qu'on voit souvent ce sigle-là. Et puis, pour le doctorat, c'est doctorate. Mm. D'accord. Et donc, tu es allé sur le site aussi de l'Université de Nouvelle-Calédonie. Exactement. Alors, j'ai vu sur le site de l'université, justement, le directeur, le président de l'université, hein, M. Lagadec, a signé, en fait, en novembre 2013, un accord avec donc, la Nouvelle-Zélande. Il s'agit donc d'un accord, en fait, de coopération universitaire franco-néo-zélandaise, d'accord. justement pour la reconnaissance mutuelle des diplômes. Donc, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas trop où ça en est, mais en tout cas, ça a été acté. D'accord. Alors, on a vu que les Calédoniens et les Polynésiens étaient donc concernés par le programme. Quels sont les autres critères de sélection ? Alors, il faut bien évidemment être demandeur d'emploi, ou bien salarié, ou encore être un jeune, si tu veux, en fin de cursus, hein, donc titulaire d'un bac ou d'un BTS. D'accord. Et ayant un projet professionnel. Ensuite, il va falloir bien évidemment être de nationalité française ou bien être né en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou encore à Wallis et Futuna. Si toutefois on n'est pas né dans ces trois zones géographiques, il faudra y avoir au moins fait ses études secondaires. Ensuite, il faudra bien évidemment avoir des bonnes bases en anglais. En anglais. Alors comment est-ce qu'on peut se donner justement plus de chances pour être présélectionné. C'est le projet, Chloé. Ouais. Le projet professionnel est déterminant. Un projet béton. Ah oui, ouais. Un projet béton, un projet aussi qui va correspondre, si tu veux, au secteur d'activité prioritaire hein, pour lesquels on a besoin de jeunes formés. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, il faudra montrer la capacité aussi à pouvoir le réaliser, donc d'atteindre ses objectifs. Mmh. Et puis, il faudra également se préparer un petit peu en rencontrant déjà un petit peu les professionnels qui potentiellement pourraient nous embaucher. Pour avoir des lettres de soutien, ça peut aussi aider. Mmh. Voilà. Ça appuie le dossier. Exactement, pour appuyer notre dossier. Et puis ensuite, pas de secret, il faut travailler son anglais, il faut s'entraîner, il faut essayer d'avoir un bon niveau avant de partir. Alors, est-ce que la bourse couvre la totalité des frais ? Parce que ce n'est pas évident d'être étudiant et d'en même temps avoir un petit travail à côté pour pouvoir subvenir à ses besoins. Ça, c'est certain, ouais, c'est vrai. Et la bourse, elle couvre justement tous les frais qu'on peut avoir hein, quand on part faire ses études. Donc, les frais d'études et d'hébergement sont pris en compte. La couverture médicale est également assurée. Le billet d'avion est payé, on l'a dit. Il y a également les frais de visa qui sont également payés. Mm-hmm. Le stage en anglais de cours intensifs aussi. Donc, c'est quand même tout bénef, on peut dire ça. Avantageux aussi. Exactement. Et chaque année, figure-toi, le budget est prévu pour une dizaine de jeunes. Bon, l'an dernier, il y a eu 13 jeunes qui sont partis. Donc, nous sommes chanceux, les Calédoniens. Oui, c'est vrai, on a de la chance. Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques contacts pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient justement vivre l'aventure Kiwi pour cette bourse NZ. Oui, bien sûr. Alors, tu sais qu'il faudra en fait contacter les structures donc, qui sont dédiées donc, à l'emploi mm-hmm. hein, pour pouvoir se renseigner, constituer son dossier, etc. D'accord. Donc, si on habite les îles Loyauté, il faudra donc se rapprocher de l'EPFIP. Hein. L'EPFIP, c'est donc l'établissement provincial hein, de l'emploi, de la formation et de l'insertion professionnelle. Si vous habitez du côté de l'IFU, il faudra composer le 45 10 98. Si vous habitez du côté de Marais, il faudra composer le 45 44 40. Si vous habitez à Ouvéa, il faudra contacter le 45 52 58. Ensuite, il ne faut pas oublier qu'il y a une antenne à Nouméa, donc on peut les appeler au 28 18 26.
Ensuite, si on habite la province Nord, on va se rapprocher de la direction de la formation de la province Nord, hein, la DEFIJ. Pour cela, on peut les joindre donc au 47 72 27. La direction se trouve du côté de Connay. Hein. Il faudra donc demander le service formation. Et puis, n'oubliez pas, il y a également une antenne hein, de la province Nord à Nouméa. Pour les joindre, il faut composer le 25 32 98. Pour ceux qui habiteraient la province sud, il faut se rapprocher donc de la mission d'insertion des jeunes. Donc à Nouméa, le téléphone est le suivant, le 28 22 77. Si on habite la Polynésie française, il va falloir donc se rapprocher de la DAREC. Il s'agit donc de la direction des enseignements secondaires. Ils sont joignables donc au 47 05 15. Et puis si on habite Wallis et Futuna, c'est le dernier, enfin. Il faudra donc s'adresser au vice-rectorat qui se trouve donc à Mataoutou et composer donc le 72 22 26. Voilà Chloé. Merci Marie-Hélène. Et ben avec plaisir, hein. Au revoir. Alors, ça tombe bien que tu parles de Wallis et Futuna, puisque le fin bon qui va suivre est un plat wallisien. Au menu de notre fin bon aujourd'hui, un plat traditionnel wallisien. Nous allons notamment découvrir comment est-ce qu'on fabrique un four traditionnel wallisien à travers cette recette, le cochon au four. On va aller voir les garçons pour préparer le four. Ben voilà, derrière moi, ils sont en train de préparer le feu. Comme vous pouvez le constater, ben ça n'a pas changé, hein, malgré le modernisme. Mais non, on a gardé la façon de faire de nos anciens et ça n'a pas changé. Alors, c'est une fibre de coco, entre guillemets, chez nous, appelée taoumé, qui leur sert de où on allume et puis qui leur sert à commencer le feu. Alors, ils vont préparer le four traditionnel. Ce four-là est très sacré parce que si... Il le rate, tout est raté. Alors, on a des experts chez nous qui ont bien, les vieux ont bien retransmis nos valeurs. Et ça fait partie c'est vraiment la partie la plus importante. Sur le cochon, s'il est mal un peu nettoyé quelque part, mais ça va, quand il passe au four, on ne voit rien. Mais si le four est mal préparé, on risque de manger... C'est cru quoi, rien n'est cuit. Alors on me dit que la préparation du four, pour que ça soit bien chaud, les pierres et tout, il faut compter une heure. Et derrière nous, les garçons continuent toujours à nettoyer les cochons et les légumes. Les cailloux, on les a depuis X temps parce que c'est comme les vieux nous disent, hein, plus tu conserves bien tes pierres, plus elles sont meilleures. Ce sont des cailloux de rivière qui datent, je ne vais pas dire datent de nos ancêtres, non. Ils sont renouvelés à chaque fois, pas tout le temps, mais quand les garçons voient le besoin, l'utilité de changer, ils le changent. Mais ce sont des cailloux de rivière. Voilà, la peau, il faut que ce soit face à la grille. C'est retourné. Là, les briques, elles sont mises autour et ils vont mettre encore des bois afin de recouvrir. Ils vont recouvrir avec des sacs de farine et tout avant de mettre la terre pour que ça tienne bien chaud. Ils sont obligés de mouiller la terre
pas que c'est pour éviter la poussière, faut pas qu'il y ait trop de poussière. Alors aujourd'hui, on a préparé un cochon au four. Il faut d'abord le cochon, il faut le tuer à l'aide d'un fusil et ensuite on le nettoie au chalumeau. Une fois qu'il est bien nettoyé au chalumeau, il est vidé, on enlève tout ce qui est boyau et tout, qui est récupéré après par la suite. Là, le cochon est prêt. Ce qui va avec le cochon, il faut des ignames, des patates, des taros qui sont épluchés, nettoyés et tout. Il faut faire le feu. Le feu traditionnel qui n'a pas changé. Là, ce n'est pas un four hein, ni un micro-ondes. C'est le feu traditionnel au feu de bois. Une fois tout mis dans le four, on remet encore des bois pour bien conserver la chaleur pour, avant de l'enterrer avec de la terre. On met des feuilles de bananier qui est recouvert ensuite par la suite avec des sacs de farine. Une fois que tout est prêt, on enterre le bougnard. Bonjour Camille. Bonjour Chloé. Alors aujourd'hui dans cette étière, tu vas nous parler de nos voisins du Pacifique, des Néo-Zélandais, c'est ça? C'est ça. Bonjour à tous. Alors on va parler des voisins néo-zélandais, plus précisément du cimetière et du mémorial néo-zélandais qui se trouve à Burai. Donc Burai pour préciser, on va dire, un petit peu, c'est la frontière entre le nord et le sud, un petit peu, hein, parce qu'on sait très bien que c'est Poya, mais voilà, cet endroit-là, un petit stratégique, a vu passer bien beaucoup de monde, et notamment donc, des événements qui ont marqué l'histoire du pays, c'est le bagne, l'arrivée donc, des Arabes, et aussi le passage des soldats néo-zélandais sur le Caillou. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le contexte? Comment se fait-il qu'il y ait des Néo-Zélandais sur le sol calédonien? On est en pleine guerre, mais il n'y avait pourtant pas de combat sur place. Voilà, tu as raison. Donc, on va remonter le temps, si tu le veux bien. Je ne vais pas changer mes habitudes. Donc, comme tu le disais, en pleine guerre, 1942, donc, c'est la date de l'arrivée des Néo-Zélandais sur le Caillou. Alors, pourquoi les soldats vont s'installer? Pourquoi il va y avoir des troupes qui viennent s'installer en Nouvelle-Calédonie? Eh bien, c'est dû à l'avancée donc, des Japonais dans le Pacifique. Donc, nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale. Et la Nouvelle-Calédonie eh bien, devient une base arrière idéale eh bien, pour les troupes alliées engagées donc, dans la bataille du Pacifique. Donc Burai est choisi par l'état-major néo-zélandais. Donc la Nouvelle-Zélande va envoyer en Nouvelle-Calédonie sa 3e division le 11 novembre 1942. Il faut savoir que cette division, c'est l'unique division qui est spécialisée dans la bataille du Pacifique. Donc, la première unité va arriver en Nouvelle-Calédonie, donc à Nouméa, eh bien, pour assister eh bien, à la cérémonie organisée par les autorités françaises pour commémorer la signature de l'armistice. Exactement, de la Première Guerre mondiale. Donc, premier contingent va arriver avec 1960 officiers et artilleurs. Donc, ils vont d'abord, dans un premier temps, travailler donc, à Nouméa pour défendre le port de Nouméa et ils vont aussi travailler eh bien, dans les aérodromes de la Tantouta et de Watom. Donc ça c'est pour le premier contingent. Donc le deuxième contingent arrive à bord du Bastagi donc avec 917 hommes et donc ce sont des chiffres et des informations que j'ai retrouvées des recherches de monsieur Gillespie. Donc voilà, donc ces hommes-là sont employés principalement pour des services comme la transmission,
pour le génie, pour aussi le matériel. Et ils vont passer seulement une journée à Nouméa pour progresser direction le nord de la Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est à Népoui qu'ils vont se retrouver. Et ce sont eux, d'ailleurs, qui vont utiliser pour la première fois eh bien, la baie de Népoui. Il faut savoir que ce port eh bien, va servir un petit peu de transit pour desservir l'île du nord, enfin le nord de l'île, pardon. Au total, en fait, suivant les sources, il va y avoir entre 8 000 et 15 000 soldats néo-zélandais qui vont arriver sur le territoire. Mais alors, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Tu me parles de Népoui, mais le cimetière, il est à Bourail. Pourquoi ? C'est ça. Alors, Népoui, donc, c'était uniquement qu'un port. D'accord. Il fallait donc trouver un endroit pour eh bien, installer les différents camps. D'accord. Et donc, c'est à Bourail qu'on va installer tous les camps néo-zélandais. Mmh. Donc, dans les vallées, il va y avoir un hôpital avec 600 lits. Donc, ça se passe à Bogen. Il va y avoir un centre de transmission, un dépôt d'intendance à Athénée, une station d'essence aussi, une boulangerie à Nandaï et un centre de convalescence à Kadavere et des camps installés un peu partout. Où vivent donc en permanence entre 2 et 3 000 hommes. Donc, tu as raison, tout à l'heure tu le signalais, il n'y avait pas donc, de combat en Nouvelle-Calédonie, mais c'était donc une base très importante pour pouvoir envoyer les soldats sur le front plus facilement. Et ici, on faisait uniquement de l'entraînement. Et alors, parle-nous du cimetière. Alors, le cimetière, il va démarrer, on va dire, en 1942 avec 28 soldats. 28 soldats vont être enterrés dans le cimetière de Bourail, dont une femme et un soldat fidjien, une femme soldat et un soldat fidjien. Et donc, bon, je ne veux pas trop le développer. Pour mieux en parler, je vous laisse en compagnie donc, d'un spécialiste. Donc, il s'appelle Yves Rieux, c'est un passionné d'histoire. Il a fait énormément de recherches à Bourail concernant ce sujet. Donc, je vous laisse regarder tout ça. C'est Lou Lourdes qui l'a rencontré à Bourail. Regardez. L'histoire du cimetière néo-zélandais, c'est une fabuleuse histoire. J'ai presque envie de dire un peu d'amour entre les néo-zélandais et les calédoniens et les bouraillais en particulier. Il faut savoir que quand vous avez 15 à 18 000 hommes qui débarquent en Nouvelle-Calédonie, il y a tout intérêt à faire un service, une unité du service des tombes. C'est ce qui va se passer en octobre 1942 à Hamilton, en Nouvelle-Zélande. Et en janvier 1943, cette unité est opérationnelle en Calédonie. Elle est commandée, par contre, il y a un petit changement. C'est le lieutenant Laurie qui en prend le commandement. Ils sont une petite poignée. Avec un sergent qui est photographe, etc., un secrétaire, deux soldats, un caporal. Et se joint à cette unité un service de dactylo, de papeterie, enfin voilà. Mais cette unité qui débarque bien sûr à Nouméa d'abord, va prendre ses quartiers à Bourail. Et donc ce qui est intéressant là, c'est qu'à Bourail, on a bien évidemment un besoin qui est celui d'avoir un terrain. Et donc là, il y a un monsieur qui s'appelle Charles Goussard, qui est propriétaire, commerçant de son état, d'une petite alimentation, et qui surtout, et conseiller municipal, donc très au fait de ce qui se passe aussi, et surtout avec cet esprit civique et qui dénote, enfin qui donne bien au contraire la note
de cette, ces relations amicales qui se faisaient entre Néo-Zélandais et Néo-Calédoniens. Et ce monsieur Goussard propose donc un terrain d'un hectare 38 qui deviendra plus tard le cimetière militaire néo-zélandais. Oui, et bien là, nous sommes dans la maison familiale de M. Charles Goussard, le donateur du terrain du cimetière militaire néo-zélandais. Et c'était donc la maison familiale. Il a élevé une famille de 8 enfants, bien équilibrée. 4 garçons, 4 filles. On est chez le dernier, je pense en tout cas à Bouraille, Serge, qui reste maintenant avec Janine Taïro, Monsieur Taïro, Edgar Taïro, qui lui avait été également jardinier dans ce fameux cimetière néo-zélandais. Et c'est en 1943 que paraît au journal officiel de Nouvelle-Calédonie cette opération définitive, cette donation du cimetière néo-zélandais. Alors, l'unité en question va enterrer une trentaine de morts, dont un soldat fidjien, de l'armée fidjienne, et une femme soldat néo-zélandaise. Et les relations ont continué après-guerre avec la mairie de Bouraille et la Nouvelle-Zélande. Et en 1955, il y a eu l'inauguration de la Croix du Sacrifice avec une rénovation totale de ce cimetière. Donc, très très beau cimetière. Et là, le major Barrowclough, qui lui, pendant la guerre, commandait toute la 3e division néo-zélandaise en Nouvelle-Calédonie, donc, Sir Harold Barrowclough était présent à cette inauguration, ainsi que le chef de brigade William Walter Dove, qui lui a son nom d'ailleurs dans la rue principale de Bouraille. Aujourd'hui, le cimetière par lui-même s'enjolive, hein, puisque bon, on arbore de plus en plus d'arbres autour, etc. Et il y a un jardinier qui est à temps plein hein, pour s'en occuper. Il s'agit de M. Michel Devaux. D'être gardien jardinier, ça consiste à avoir toujours le cimetière propre et accueillant pour les visiteurs qui viennent enfin, des pays étrangers le visiter. Quoi. Pour nous, de Bouraille, c'est une satisfaction d'avoir ce cimetière-là. Comme en reconnaissance de ce que les Néo ont fait pour nous à la Calédonie. Et donc Charles Goussard a été remercié également par le consulat et le gouvernement néo-zélandais. Ils se sont dérangés en Nouvelle-Zélande à une certaine époque, à plusieurs, avec M. Kenville également, le Paul Kenville, qui a été le premier jardinier du coin qui se dérangeait avec toute sa famille, sa femme, les enfants et tout ça. Pas de paye supplémentaire, si vous voulez. Et vous voyez, ils avaient bien dans leur trip cette ambiance, cette amitié calédo-zélandaise. Je vais dire ça comme ça. Voilà. Donc voilà un petit peu pour l'histoire de ce cimetière. Pour résumer, on peut dire qu'au début, en 1942, c'était un cimetière assez simple avec des croix en bois blanches. Mmh. Et puis en 1943, il va être amélioré, comme on le voit un petit peu actuellement, avec ces corps qui vont être enterrés à la verticale. Et enfin, son inauguration en 1955. Donc aujourd'hui, c'est la municipalité avec le consulat néo-zélandais qui, en
entretient ce cimetière. D'accord. Et voilà, ce cimetière, c'est 234 soldats qui sont enterrés et un mur aussi, ce mur où on peut lire eh bien, les plaques de les noms. Voilà, fait, le des... nom sur les plaques de tous les alliés et de ces soldats dont les corps n'ont pas été retrouvés. Alors, tu nous parlais aussi tout à l'heure de femmes. Exactement, il y a donc deux femmes qui sont enterrées au cimetière. Donc, une femme soldat dès 1942 et Marcel Arnett. Alors, il y a une petite histoire sur cette femme. Qui si est tu veux Marcel bien. Arnett voilà. Cette femme eh bien, faisait partie des WACS. Alors, les WACS, qu'est-ce que c'est? C'est les Women Auxiliary Army Corps. En fait, c'est ce qu'on appelle tout simplement des auxiliaires, c'est donc des femmes volontaires qui partaient pour travailler dans les transmissions, pour faire des petits travaux de cuisine, pour l'infirmerie aussi. Voilà. Eh bien, Marcel Arnett est arrivé en Nouvelle-Calédonie le 23 septembre 1943. Elle est venue en fait pour travailler au centre de convalescence à Cadaveré et elle est arrivée avec 76 autres femmes. Toutes venues pour devenir des aides-soignantes, pour travailler à la blanchisserie, pour travailler dans le laboratoire, pour être employées de bureaux standardistes. Voilà un petit peu pour leur arrivée. Et donc, justement, sur leur arrivée, il y a une petite histoire à raconter, une petite anecdote. Raconte-nous. On va passer les choses un petit peu plus légères, on va dire. Donc, à leur arrivée sur le caillou, eh bien, le bâtiment du centre n'est pas totalement terminé. Mmh. Et donc, l'installation des femmes dans les dortoirs est un peu précaire. Et les femmes ont peur des insectes. Oh, c'est Dieu. Pas nouveau, disons tout ça. Donc, ils ont peur des insectes et notamment de la veuve noire. C'est ce qui se dit. La donc veuve noire, l'araignée. Oui, voilà. D'accord. Donc la rumeur raconte qu'un soir, eh bien, Marcel Arnett n'a pas dormi de la nuit. Elle a dû sortir de la chambre parce qu'elle pensait qu'il y avait une veuve noire dans son lit. Et ce n'est que le lendemain que ses camarades sont allés fouiller pour vérifier voilà, qu'est-ce qui se passait. Et en fait, c'était tout simplement une aiguille. Ah ben d'accord. Donc on se rend compte frayeur. Un petit peu de l'ambiance qu'il pouvait y avoir à cette époque-là. Il y a d'autres histoires hein, comme ça qui m'ont été rapportées par Yves Rieux, c'est par exemple des moments qu'elles appréciaient beaucoup, la douche chaude transportable. Alors, tu m'étonnes. c'était une douche qui était installée en bord de rivière, cachée par des bâches. Et on raconte que pour prendre la douche, les femmes devaient y aller en groupe de 16 et qu'elles avaient une minute pour se mouiller, une minute pour se savonner et une minute pour se rincer. Ah oui. Voilà des petits moments sympathiques qui a allégé, on va dire, l'atmosphère de l'époque et du milieu de la routine, on va dire. Oui. Malheureusement, eh bien, Marcel Arnett va décéder d'un accident de la route voilà, à la plaine des Gaillacs en 1944. Et donc, à l'emplacement de l'accident, il y a eu une croix blanche qui a été installée. Et on pouvait y lire Marcel Arnett, auxiliaire féminine de l'armée néo-zélandaise. Et donc, aujourd'hui, elle repose à Bourail. Voilà. Et là encore, il y a, on va dire, une petite histoire sur cette femme. Oui. Parce que son corps a été rapatrié en Nouvelle-Zélande et ce n'est qu'en 2010 que la famille a souhaité eh bien, réexpédier le corps de cette femme ici à Bourail pour qu'elle repose eh bien, auprès des soldats de la 3e division. Eh bien, quelle histoire. Voilà pour l'histoire de cette femme. Il faut savoir aussi, bon, aujourd'hui, on peut visiter le cimetière, on peut s'y rendre pour commémorer les combats de ces hommes. Mmh. Donc, c'est ouvert aux visiteurs toute l'année et régulièrement, une fois par an, le consulat général de Nouvelle-Zélande organise une commémoration de l'Anzac Day, donc tous les 25 avril, pour commémorer la guerre de 14-18, la Seconde Guerre mondiale aussi et toutes les nouvelles guerres actuelles. D'accord, on aura l'occasion de reparler de cette date. Voilà, plus tard dans l'année. Merci beaucoup pour toutes ces infos, Camille. Merci, Chloé, et puis à bientôt. À bientôt. Et puis quant à nous, on finit également cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.